l'oreille de Xeus et je fais, t'as vu, il y a blanc. Stop. Voilà. Ouais, bah je dis, bah salut, blanc. Est-ce que tu regardes Milo, toi, tu dis, salut, blanc. Salut, blanc. Non mais sérieux. Vous êtes les pires. Oui. J'avoue. Mais quand même vous voyez blanc accompagné de Neptune. Et vous, la seule réaction de blanc c'est bonjour. Oui, ben je retourne le bonjour avec les formes par contre. Mais par contre le bonjour de Neptune c'est vraiment la joie. Bonjour. Oui, mais tu vois que moi je fais. Enfin, je lui retourne aussi, mais avec les banalités habituelles. Non, techniquement, derrière le canapé, t'as une tête qui se relève légèrement, puis il fait salut. Puis je tourne le regard vers dehors, en fait. Non. Je n'ai rien vu. Vous m'avez pas vu. Tu sais comment faire attirer l'attention d'une personne sur une autre? Ouais, quand il a entendu ton nom, il s'est caché. Bah, tu dis ça, Alma? Oui. Bah, tu vois juste Blanc qui regarde Xilo, l'endroit où Xilo se cachait, et... C'est alors que j'ai pas bougé, j'ai juste relevé légèrement la tête, hein. Oui, mais tu... Bah, bah, tu vois juste Blanc qui dit rien, mais elle te regarde. Xilos. À quoi attends, je tourne mon regard pour voir, justement, que bon, je vois qu'elle me regarde. Je me glisse la tête qui descend derrière le canapé pour me planquer. Genre, t'entends pas de bruit, d'accord, t'entends. Et il sera blatté. C'est ça. Mais sinon, alors. Mais sinon, en fait, vous pouvez voir, comment dire. Neptune qui voit que, en fait. Comment dire. Les manettes ont été bougées, tu vois, sa sœur réaction, elle écarquille les yeux, elle fait. Eh, vous avez touché à ma console. C'est Nebigard qui a dit qu'on pouvait. Non, c'était vert, mais c'est pas vrai. Oui, non, mais justement, lui. Moi, je mets la faute sur Nebigard. C'est pas beau de mentir, c'est ce que je te dis, hein. C'est pas beau de mentir. Elle nous a dit d'attendre comme on pouvait. C'est vrai, mais c'est pas elle qui nous a autorisé à jouer. C'est vert qui nous a proposé à faire un jeu avec, c'est tout. Mais tu vois, Vert, qui est quand même. Qui les a juste ramenés, elle est là. Et elle dit c'est vrai, je leur ai dit qu'ils pouvaient jouer à ta console, avec ta console. Et on s'est bien amusé. Et tu vois, Neptune qui dit non, mais moi aussi je veux jouer. Tu veux juste une manette, et je fais. Bienvenue. Bienvenue sur ta console. Bienvenue sur ta console. Oui, mais je suis en fait, je suis chez moi. C'est pour ça que j'ai une pas content. Puis-je ramper vers l'ascenseur? Mais ramper. Vas-y. Pour être le plus discret possible. Le plus discret, fais un jet de discrétion. Si il passe, je rigole. Dans un endroit attends. Totalement à découvert. Hein. C'est ça. Alors j'annonce 90. J'ai envie de faire un échec critique sur le coup. Elle fait tourner, tu verras bien. Non, ça passe. Ouais, mais bon, j'ai. Ah, ils peuvent me repérer, hein. Techniquement blanc, oui, parce que elle est toujours vigilante partout, donc. Non, mais en fait, un truc très simple. Oui. Attends. Oui, il y a que deux personnes qui font attention. Alors, du coup, voilà. Il y a qu'un seul qui passe et c'est blanc. Ah, mais c'est con. Elle réagit comment en voyant essayer de ramper pour essayer d'aller vers l'ascenseur? Mais je rampe vraiment. Mais tu vois que elle continue à faire sa tête blasée, elle dit mais qu'est-ce qu'il fait le petit chaton à partir? Puis là ça fait comme Snake, t'as le point d'exclamation. Je me relève, je me suis, je fais non, je vais nulle part, non. Tu vois quand déconnant, je fais si c'est pas comme ça, ça peut être costumé. Pourquoi tu rigoles, toi tu l'es même pas. Oui, littéralement. Mais je fais si c'est face comme ça peut être costumé. Non. Ah bah c'est oui. Pareil, c'est pas pareil. C'est pas pareil, mais tu t'effaces quand même actuellement. Non. Mais par contre, il y a un bout d'un moment, vous voyez elle qui arrive. Alors, ouais, elle. Ah, histoire. Oui.
Histoire ou vie. J'allais l'appeler History. Histoire ou History, c'est comme vous voulez, c'est français, history. Anglais. C'est franchi. Et normalement, le nom est même c'est même son nom japonais normalement qu'on doit utiliser. Bah histoire. Son nom français, son nom japonais, son nom anglais, oui, bravo. C'est histoire tout court. Mais du coup, bah vous voyez histoire qui arrive et qui vous dit bon, c'est pas tout ça les filles, mais faudra commencer. Pardon, je mâchouille mes mots. Quand elle arrive et qu'elle dit les filles, tu vois que moi je vérifie quand même si mon paquet il a pas disparu, c'est-à-dire que je pose la main dessus. Non, c'est bon, il est toujours là, je suis toujours un mec. Oui, je me sens vexé dans ma sexualité. Ah. C'est Romain qui s'est installé. D'accord. C'est ça, mais techniquement, toi aussi, t'es considéré comme une fille pour le coup. Non. Il y a plus de filles que de garçons, sachant que les filles aussi ont préparé le truc de certificat. Ouais, mais ça change donc pas. Donc normal. Non, mais c'est ça surtout. Ah bah si. C'est surtout que ça change pas les lois de la grammaire. Hein. Non mais c'est justement. Non mais deux filles et un mec, on dit elle et pas non. Il. C'est la loi de la grammaire. Non mais c'est surtout que histoire ne vous connaît pas en fait. Oui. Oh. Mais... Tiens. Dans les commentaires, on pourra dire. On est bien d'accord que c'est le masculin qui l'emporte sur le féminin en grammaire. Hein. Uniquement s'il est égal ou inférieur, égal ou supérieur en nombre, c'est tout. Le féminin, s'il est supérieur au masculin, il l'emporte. Bon, jamais vu ça, même dans mes livres de cours. Mais ça, c'est important aussi. Je suis chômeur, du coup. Mais du coup, oui, bah. Alors... Vérifie quand même, hein. Pour voir si j'ai toujours. Mais bon, sur ce, moi je dis quand même, moi je regarde quand même vers Neptune, vert, blanc, un peu avec difficulté quand même. Bichu, bon bah. On est là pour le traité de paix. Donc. Bah tu vois, bah. Vert qui dit bon, il faudra se préparer, oui. Ouais, mais. On attend de faire une partie. Oui, littéralement, normalement Neptune elle dit pareil. Hein. De quoi? On attend de faire une partie? Normalement Neptune elle dit pareil comment? On attend de faire une partie. Hein. Bah oui, c'est ce qu'elle dit aussi, Neptune. Ouais, c'est le temps de faire une partie encore. Hein, avant qu'on commence. Tu vois, histoire qui dit non, vu qu'on est tous rassemblés et que c'est le parfait moment pour le faire. Après, non, il en manque une! C'est ce que je dis! Il en manque une! Noire, elle est où? Mais elle est déjà dans les vestiaires. Ah d'accord, oh bah c'est beau alors. Je la voyais pas donc. Même si j'ai pas de costume, je reste habillé comme je suis prêt. Tu vois que je suis prêt, j'ai pas d'autre habit pour l'instant. Mmh. Mais pour l'instant, il y a la seule qui râle, bah c'est Neptune. Hein. Non mais juste une partie histoire. Une partie. Non, moi tu veux savoir la blague. Quoi? Tu vois quand t'es un gosse et que t'as ta mère qui rentre dans ta chambre et qui fait ouais faut aller voir ça et tu dis non encore une dernière fois et elle te dit non et toi entre deux tu la regardes et en même temps que tu lui parles tu programmes la partie. Bah je fais pareil. Tu fais pareil? Ouais, c'est à dire que je suis en train quand elle parle je la regarde et en même temps je programme la partie. Ouais, et vous dire voilà la partie elle se lance. Bah, tu vois, tout simplement, histoire qui soupire et dit bon, après que vous avez terminé votre partie, vous pouvez venir, oui. En attendant, on pourrait discuter bah, un peu. Moi, puis... je te suis. Je voulais bien. Oh, le lapsus qui a fallu dire. Non, mais moi, c'est. Je suis. Non, mais, moi, je suis là, puis je fais bah, en attendant qu'ils finissent leur partie, on peut discuter un peu. Si vous voulez. Pourquoi? Je sais pas. Pourquoi je ne veux pas te connaître? Tellement chanceux, tu le sais. Mais pourquoi mais... je sais pas, peut-être apprendre à se connaître un peu plus. Parce qu'on va se faire un traité de paix entre Dieu. On a un truc fait pour. Mais t'es un peu en train de mourir quand tu cries. Oui, je dis ça, on est en train de jouer, hein. En train de jouer, mais t'es en train de tuer mes tympans. Les pauvres tympans. J'en ai besoin pour entendre des mots. Je vais dire une blague de merde, je me retiens, je vais pas le faire. Ouais, tu te retiens, d'accord. Bon, je veux pas que je le fasse. Parce que là, il est vraiment à chier. Mais moi, je m'en rends compte. Je le ferai pas. Mais du coup, bah, est-ce qu'on continue léger hein, pour. Non, là, c'est que du passif. Non, mais pour Neptune et moi, sachant qu'on est en train de jouer en fait. Ouais, fais juste un D12 pour savoir qui gagne.
Parce que c'est compétitif du coup. Ouais, c'est compétitif. le même niveau. Il y a pas de drone dans les jeux de combat. Mais pour l'instant, moi je vais chercher un truc. Bah, t'arrives à battre Neptune. Dans les jeux de combat, il y a un draw. Quand le timer il tombe à zéro. Moi pour l'instant, je vais aller chercher un truc. En bas, je vais prendre l'ascenseur. Tu vas aller prendre l'ascenseur ? D'accord. Ouais. Bah, du coup. Ouais, je vais pas te demander de te mute. Hein. Pour l'instant. Pour l'instant, dans la partie de Alma et Xylos. Oui, bah oui. Bah, du coup, moi je m'approche quand même de vert, blanc et tout. Puis je suis. J'ai pas encore vu qu'il avait encore répondu pour l'invitation pour le festival costumé, mais je suis déjà ravi d'en avoir reçu, surtout ravi d'en avoir reçu de votre part, Blanc Sama. Et oui, je dis Blanc Sama. Bah, tu. D'accord. Quoi ? Je connais. Non, mais non, Sora, si. Non, là, c'est juste interbus. Oui, t'as interrompu là. Avez-vous un dernier mot à dire avant de recevoir un malus ? Bonne. Il a dit son il a dit dernier mot c'était voilà. Georgia. Rival joke. Enfin bref, bah du coup Xeos. Bah pour Blanc, tu vois, bah elle te regarde et elle dit c'est pas moi qui a fait les invitations. Non, les réponses plutôt. La réponse à l'invitation, voilà, vous êtes contre. Bah, tu vois qu'elle saute. Tu vois qu'elle plisse les yeux et elle dit quelle invitation. C'est ça. L'invitation à un festival costumé qui se passera à Necroma. Tu vois qu'elle se fait un face spam et elle dit bordel de sœur. Oui, moi t'entends le. Alors le. Ah. Mal parlé. Mon personnage, tu vois qu'il fait ah, mais le ah, mais du genre le ah qui retient d'être blasé, tu sais. Et du coup, là, tu peux lui demander la confirmation de. Mais du coup, oui, c'est ce que j'allais faire. Mais du coup, vous comptez venir ou pas avec vos sœurs? Et vous comptez venir? Bah, tu vois qu'elle dit ah, j'aurais pas le choix, je dois les surveiller. Ce serait un honneur de vous accueillir en mon. Enfin, au sein de la ville que je gère. Bah, tu vois qu'elle te répond pas de problème. Par contre, je vais leur dire deux mots à mes sœurs. C'est comme vous le souhaitez, c'est. Mais d'un côté, j'ai envie de dire, ils ont pas non plus mauvais fond. S'ils ont fait ça, c'est peut-être aussi pour vous changer d'idée, vous avez peut-être beaucoup de travail. Beaucoup de travail. Pas vraiment, non. Donc c'est pour ça, profitez de votre temps libre pour vous détendre. On verra. Et je la regarde pas directement, à chaque fois je la regarde soit du coin de l'œil, soit vraiment je détourne le regard, hein. C'est jamais directement. Ouais bah elle fait toujours son regard blasé, elle fait aucune expression. Juste à part avant quand elle a entendu bah, que ses sœurs a pris ton invitation. Ouais, comment ça se vénère, ouais. On n'a pas vu l'œil rouge parce qu'il est pas sur vénère, mais par contre. Et aussi, on n'a pas vu son marteau. Ah ouais. Si même sans son marteau, elle fait flipper, en vrai. Si j'avais un marteau. Puis, bah là, moi, je discute tranquillement du beau temps, d'un peu tout ce qui se passe. Hein. Et des fois, coup... je parle même par rapport aux assesseurs, aux conseillères et autres. Quoi. Et du coup, pour toi, Alma, quand t'as battu Neptune. Bah, sachant que je reboot au jeu du jeu vidéo et qu'il ne fallait surtout pas mettre un moment Sandy qui avait réussi à se calmer au jeu vidéo, mais tu vois que quand je la bats, bah, sauf s'il n'y a qu'un combat, mais à chaque victoire, bah, comme tu vois que je suis tout content, bah, y a des moments où j'ai des petits accès de joie, genre je la prends dans les bras, je prends un coup d'un pour petit, genre si Vérelle pas, je la prends dans les bras. Quand tu la prends dans les bras, elle fait hey, qu'est-ce que tu fais là? Je suis content, ça fait longtemps que j'ai pas touché une manette. Et je bats vert, après je tombe à toi. Bah tu vois bah après bah il y a un bout d'un moment elle vient et elle dit bon Neptune je pense qu'il faudra me laisser jouer vu que tu es en train de perdre ta crédibilité envers les jeux vidéo. Oui. Moi je regarde quand même l'histoire puis je fais on a encore combien de temps devant nous? Il n'y a pas de temps mais il faudra se dépêcher sinon on va jamais le faire. Ça marche. Bah, tu
tu vois que je disais bien qu'elle voulait sa revanche. Alors, techniquement, moi je me mets au niveau de la prise de la console, puis je débranche. Ah le bâtard. tu entendais, tu entendais Neptune. Neptune, Vert et moi, en simultané. Non mais, juste pour dire un truc, c'est ce qui se passe à un moment dans l'histoire, en plus, histoire va débrancher la console. Ouais mais vu non, que c'est... Pas, non c'est même pas histoire, c'est Pi, excusez-moi. Mais là, vu que c'est toi, bâtard. Là, normalement, t'as Vert, Neptune et moi, bâtard. Ça va, je connais, je sais pas qui est mon père réellement, je l'ai jamais connu, donc On les couilles. Là, t'entends juste, on va les couilles, tu reprends. Non, mais après, traité de paix. Oui, sauf que c'est très mauvais pour une console, de débrancher comme ça, donc si ça... Et, bah, tout simplement, tu entends Neptune qui dit oui, mais y'a pas le Kitsune, là. Y'a plus Luke Kitsune. Il s'est barré, t'as vu? Après tout, il visait ses titres en plus. Techniquement, tu me vois en mode. Je vais aller le chercher. Ouais, mais tu rebranches. Quelqu'un veut m'accompagner? Oui, non, mais tiens, je suis allé le chercher. Oui, je rebranche, puis je fais quelqu'un veut m'accompagner en attendant pour aller le chercher. Je joue. Bah, y'a personne, non. Peut-être la sœur de Shadow. Alors, j'aimerais la confirmation, Sora, est-ce que t'es parti avec ta sœur? Ça, tu l'as pas précisé. Bah, ça dépend si elle me suit elle ou pas. Donc ça dépend du MJ, donc... Alors, on va dire qu'elle ne t'a pas suivi. Du coup, oui, bah, il y aura, bah, la sœur de Shadow qui te suit, Xelos. Blanc, elle s'en bat les couilles. Elle s'en fout totalement, en fait, tout le temps, j'ai envie de dire. Non, elle s'en fout pas tout le temps. Au contraire, elle fait 7 apparences là, mais en fait non. Elle s'en fout pas tout le temps. Bien au contraire. Non, mais c'est sûr. Oui. Bon, là, elle est pas vraiment dévouée à y aller. Oui, elle est plus courte. Oui, voilà, c'est ça. Donc bah moi j'y vais. Du coup, je vais dans l'ascenseur avec la sœur, puis je fais bon bah. J'ai beaucoup trop de fois heure dans l'ascenseur. Heure. Dans l'ascenseur avec la sœur à tout à l'heure. Dans 2 heures. Ah non, Ah non, 2 heures.